bien le bon sur les potes. Donc j'ai fait deux petits ratés. J'essaie encore une fois avant de pouvoir. Est-ce que cette fois-ci je fais la scie? Ah yes. Pour la troisième reprise, c'est fait. Du coup, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 24 du coup janvier. On est vendredi. Alors, je vous parle, eh bien, je viens d'avoir une petite information avant de passer à la boutique. Comme vous savez, bon, déjà, la nouvelle année chinoise commence le 25 janvier. Du coup, en Chine, forcément. Vous avez compris. Il y aura des skins sûrement peut-être ce soir ou dans les prochains jours. Du moins, comme vous avez dit, dans ma vidéo précédente que j'ai fait quelques jours, je vous ai montré les skins qui sortira prochainement. Et l'un des skins, normalement, va sortir ce soir. Je ne sais pas lequel, mais j'ai pas voulu trop savoir parce que sinon après c'est des pins surprise, donc j'ai pas beaucoup de debug. Donc j'espère que c'est un skin vraiment que bah que je veux vraiment beaucoup. Mais bon, après faut acheter des debugs et j'aurai un peu mal au cul, mais c'est pas grave. Du coup, les petits potes, comme je vous ai dit, j'ai appris un truc hier. J'ai oublié de vous le dire dans la vidéo d'hier d'ailleurs, de boutique. En fait, j'ai appris que la saison, c'est possible que la saison 2 du chapitre 2 de Fortnite commence un peu plus tard encore. En vrai, on devait commencer entre le 6 et 7 février sur Battle Royale. Je pense que tout le monde le savait à peu près. Sauf que j'ai vu un truc comme quoi qui commencerait peut-être le 20 février. Et j'espère que c'est une blague en vrai. Mais ça, cette information-là, on n'est pas sûr à 100%. Mais c'est juste ce que j'ai appris hier et je voulais vous le dire. Voilà, comme ça, vous savez, si jamais vous voyez le 6 ou le 7 février et qu'il n'y a pas eu de nouvelles, bah, c'est que c'est plus tard. Voilà. Comme ça, vous êtes au courant. On n'est pas sûr à 100% parce que l'information n'est pas vraiment arrivée dans les de tout le monde, mais quand tu sais un petit truc comme ça, tu vois, c'est marqué quelque part et tout. Enfin voilà, je vous dirai plus dans les prochains jours si vraiment il y a un retard ou pas. Je pense qu'il me faut une sorte de marge, peut-être en cas s'il y a eu un petit truc qui veut retarder. C'est déjà arrivé qu'il y a un retard de 2-3 jours, mais pas de 2 semaines quand même. Donc je sais pas trop, on verra bien ce que Epic Games va nous faire. Mais sur ce, passons à la boutique, les petits potes. C'est parti pour la boutique. Est-ce qu'on aura l'un des nouveaux skins en boutique? Ok, donc on a un nouveau skin, et je vous avais dit que le skin Flamèche allait ressortir. Je vous l'avais dit ou pas? Eh, c'est le petit code créateur, j'ai la gameuse. N'oubliez pas le petit code créateur d'ailleurs, très important, vous avez ça porte chance. Je vous ai dit que le skin du coup, le Flamèche, allait revenir en boutique. Et du coup, on a un des skins que je vous avais montré du coup en vidéo il y a quelques jours. Donc le skin à 1200 V-Bucks avec deux customs. En vrai, ah, il est pas trop mal, hein. Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont l'acheter en vrai. Je suis sûr, les potes. Il y en a vraiment beaucoup qui vont l'acheter. Je sais pas ce que vous en pensez, les potes. Il a un côté original. Sa coupe de cheveux est pas à dire pas commun, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et je crois qu'il a c'est le seul skin, enfin, du moins à ma connaissance, qui est chauve. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien le skin? Moi, je sais pas, le skin chauve, je trouve sympathique. Ça change un petit peu. En plus, il n'a pas beaucoup de skin chauve, je crois. Du moins à ma connaissance. Vous avez le sac à dos, bien entendu. En version comme ça et en version. Voilà, chaude, forcément. Voilà, le petit skin, du coup. Ok, on est bon sur ça, le petit ensemble. On a bon, la petite pioche. Plus un V-Buck. Qui est d'ailleurs, j'aime beaucoup, la petite pioche. Enfin, elle a un côté, voilà, la pioche, la forme de la pioche, les couleurs et tout, j'aime bien. Personnellement, moi, j'aime bien. Vous avez également... Attendez, je vais vous montrer. Vous avez deux couleurs différentes pour la pioche, la version comme le premier skin et la version, du coup. Voilà, comme ça, vous avez deux versions. En vrai, elle est belle, hein, comme ça aussi. Ah, franchement, la pioche, elle est vachement belle, hein. Ah, j'ai presque envie de l'acheter, les potes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. En vrai, j'aime bien. Du coup, voilà, le nouvel ensemble de la boutique. On a également le petit retour de la double pioche. La pioche. Pff, ah, elle est belle, cette pioche. Je l'avais acheté il y a longtemps. Bon, il y a déjà plus d'un an, j'ai acheté cette pioche. Et il y a une deuxième custom, d'ailleurs, qui est sur la photo qu'il a. Vous avez également le skin ici, qui est également pareil. Donc, la première version, celle qu'on connaissait déjà. Et la deuxième version en couleur plutôt lave, feu, etc. On va montrer ça. Ça, c'est une domaine custom qu'ils ont mis récemment. La version dragon. Elle est stylée, hein. Ah ouais, mais il a la couleur du skin diable. C'est pour ceux qui l'ont. Enfin, le skin qui s'appelle pas comme ça, mais vous avez compris, hein. Ah, franchement, il est stylé. Ah, les couleurs et tout, ça déchire. Franchement, les potes. Ça, c'est une nouvelle custom. Hein. Elle n'était pas là avant celle-ci. C'est une nouvelle custom du skin à 1500 V-Bucks. Vous avez également le petit bouclier et version comme ça aussi. Ah ouais, mais il est stylé, hein. Franchement. Rien à dire, les Epic Games sont dépassent toujours, etc. Et la pioche, elle a la même chose. Ensuite, également le petit planeur. Bon, quand je dis petit, c'est une façon de parler. Hein. Le dragon divin. Voilà, vous avez compris, il y a un dragon. Hein. Ok, la pioche, je vous ai montré. Je vous montrerai tout à l'heure si vous voulez à quoi ressemble la deuxième custom. D'ailleurs, je vais vous la montrer tout de suite au pire à quoi ressemble la deuxième custom. Comme ça, vous avez une idée du coup de la pioche. Parce que là, dans la boutique, malheureusement, vu que je l'avais déjà la pioche, du coup, bah, il n'est pas affiché. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble la pioche.
Alors, ça s'appelle Gun. Hop, voilà. La deuxième version de la pioche, elle ressemble à ça. Ça, c'est la première version qui est dans la boutique. Ça, c'est la deuxième version. Et franchement, elle est vachement belle. J'ai beaucoup joué avec quand je l'avais eu la custom parce qu'elle est. Bah, elle est la mise à jour qui a eu il y a quelques temps. Il y avait une nouvelle custom et pour tous ceux qui l'avaient déjà, ont déjà reçu la custom. Donc, franchement, c'est une des pioches. Je trouve qu'il voilà, est stylé, franchement. Au prix pour caler, franchement, c'est bien. Vous avez aussi le petit retour des skins qui avait mis longtemps à sortir quand même. Les skins, il y en a 4 styles différents. Donc, vous avez le premier style, version bah, port, du coup, comme vous pouvez voir. La version 2, c'est le, pour le buff. Franchement, c'est des versions custo. Hein. Si vous aimez bien la cuisine des potes, c'est le skin est pour tout. Ça, c'est le skin végétarien. En marque, il y a pour tous les goûts. Hein. Si t'aimes bien le porc, si t'aimes les, tout ce qui est bœuf, viande, etc. Si t'es plutôt du genre végétarien, ce skin-là est pour toi. Et si t'aimes les crevettes, bah, les fruits de la mer et tout. En vrai, ils sont plutôt drôles, les skins. Bon, c'est pas le skin préféré que j'aime, mais ils sont plutôt drôles. À 1500 VB, vous avez quand même 4 customs différents. Avec ce petit sac à dos-là, vous avez également la petite pioche à 1500 VB, la cuillère en bois. Elle a l'air un peu grande, je sais pas si elle est vachement grande, mais elle a l'air grande quand même. Ok, on est bon sur cet ensemble. Le petit retour du skin Flamèche. Malheureusement, c'est le skin qui n'a pas le sac à dos. J'espérais vraiment qu'Epic Games mette un sac à dos bien prochainement. Parce que c'est un des skins les plus beaux qui est sorti l'année dernière pendant le Halloween chinois. Et je trouve ça dommage, ils n'ont pas mis le sac à dos au prix quand même qui coûte 1200 V-Bucks. Ils auraient dû mettre un petit sac à dos quand même, mais de rien. J'espère qu'ils vont en mettre un prochainement. Vous avez également la petite pioche qui va. Ah, c'est nouveau ça. Non? Ah non, elle était déjà sortie l'année dernière, j'ai rien dit. Non, non, je m'en souvenais plus du tout. La petite pioche que je ne me suis pas acheté l'année dernière parce que je n'avais pas assez de bugs. Qui va avec le skin du coup garçon, Flamèche. Non, franchement, moi j'aime bien cette pioche. Elle est stylée. Regardez-moi le. J'ai presque envie de me la prendre, les potes. À l'époque, je ne me suis pas acheté parce que j'avais pas assez de bugs pour tout acheter. On ne peut pas tout acheter vraiment. Mais cette pioche, je trouve qu'elle est belle quand même. Elle est super belle, franchement, vraiment. Ah, j'ai envie de me la prendre en vrai, mais j'ai vu ça en V-Bug quoi. Enfin, je tryhard sauver le monde pour pouvoir me l'acheter, je suis sûr. Je pense que je vais tryhard sauver le monde cette nuit pour pouvoir m'acheter la pioche en vrai. Il me manque 700 V-Bug, il y a moyen que je les ai. Ensuite, également, le petit retour du skin Portraitrice. Portraitrice, j'en ai plus parlé. Le pauvre. Le skin à 800 V-Bug Portraitrice, je vais arriver écarlate. Je suis fatigué, moi, je veux dire. Quand je suis fatigué, mon cerveau ne sait plus parler. Donc, le skin là, il y a aussi deux customs. Pour 800 V-Bug, c'est franchement, c'est rentable. Le deuxième custom, malheureusement, n'est pas affiché dans la boutique. Donc, encore une fois, je vais vous la montrer. Heureusement que je l'avais déjà et du coup, je sais à quoi ressemble la deuxième custom. Donc, si la boutique veut. Attends. Si le casier veut bien mettre le truc, déjà, ce serait bien. Ok. Alors, hop. Ok. La deuxième custom du skin, elle ressemble à ça. Du coup, alors dites-moi ce que vous en pensez. Bon, sûr, le sac à dos va pas avec elle, mais vous avez compris, les potes. Donc, la deuxième custom est plutôt stylée. Moi, j'aime bien. Un petit truc en plus, c'est juste un petit chapeau. Mais ça fait toute la différence, j'ai envie de vous dire. Vous avez également la petite musique de lobby. Pour ceux qui aiment bien le saxo Grovy. Vous avez également Poki de revenir en boutique encore. Deuxième apparition en même pas une semaine. Même pas une semaine, les potes. Pour 500 V-Bucks. Allez, style, j'adore, franchement. J'adore. Tain. Et vous avez également dans Sally Fisher que la communauté, j'avais demandé à mes abonnés, pour ceux qui ont vu la vidéo, je vous avais demandé si oui ou non je l'achetais. Et évidemment, les votes qu'il y a eu, il n'y a eu que des oui, il n'y a pas eu de non. Du coup, bah, je me l'ai acheté l'autre fois. Donc, je la remets en V. Et cette danse-là, j'arrête pas de la faire depuis. Franchement, je regrette même pas de l'avoir achetée en vrai. Elle est stylée, elle avance pendant qu'on marche. Dans Sauver le Monde, par exemple, je vois Sauver le Monde ce temps-ci. Je m'amusais à avancer comme ça vers les zombies. C'était trop drôle en vrai. Je me suis marré toute seule en vrai. Il n'y a pas grand chose quoi en vrai, cette danse elle est pesante la musique. Et puis elle a un petit côté bien danser avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire les potes. Alors la danse franchement j'en regrette pas de l'avoir acheté. Du coup dites moi ce que vous en pensez de cette boutique. Du coup bah sur le thème de la Chine parce que il y a quand même beaucoup de trucs rapport avec le nouvel an chinois. Que je vous rappelle que c'est le 25 janvier pour les chinois. J'ai vérifié sur internet hier pour savoir quel jour c'était. C'est vrai que c'était en janvier mais je savais pas la date exacte. Là, j'ai eu la date, c'était le 25 janvier. Donc, à partir d'aujourd'hui, juste à, franchement, pour moins une semaine, on aura pas mal de trucs rapport avec la Chine en boutique. Il y a certains skins que j'attends très, très, très impatiemment. Parce qu'il y a des skins que j'attends parce qu'ils sont super magnifiques. Le skin japonais, là, le chinois qui est là, l'asiatique, il est plutôt stylé. Mais
ça vaut pas le skin, même si je trouve qu'il est sympa, ça change un petit peu les skins habituels. Mais les skins que j'ai repérés, ceux que je veux acheter, je peux pas tout acheter les potes, donc en vrai, bah je vais attendre les autres skins qui sortiront prochainement. La pioche là, qui est dans la boutique, qui va avec le skin Flamèche, que j'ai le skin mais j'ai pas la pioche. Et je trouve qu'elle est belle la pioche, l'année dernière je la voulais aussi. Malheureusement j'avais pas assez de bucks, je me rappelle. Et là j'ai toujours pas assez de bucks. Du coup il va falloir que je rush Shovel Monde pour pouvoir me l'acheter. J'aurai pas assez de bucks pour le skin à 1200, même si je rush Shovel Monde. Déjà c'est un miracle si j'arrive à 800 dans une seule soirée. Donc voilà. Du coup le petit pod, moi je vous laisse, je vous dis à demain pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas le petit code créateur de la boutique. J'ai la gameuse en majuscule ou en minuscule. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et évidemment de partager également chaque petite vidéo. Voilà, ça me fera plaisir sur vos réseaux sociaux. Suivez-moi sur Twitter aussi, pourquoi pas, je publie souvent des trucs sur Twitter. Tous les nouveaux skins, etc. Je publie souvent sur mon Instagram aussi, parce que je suis très actif sur Instagram et Twitter. Donc voilà, si vous avez des messages, je réponds et tout, là, pas de problème. Par contre, sur Facebook, bah, je n'ai quasiment jamais dessus. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la description. Il y a aussi mon Discord qui est... D'ailleurs, il n'est pas dans les liens de mes les vidéos YouTube, j'ai oublié de le mettre. Mais c'est parce qu'il est dans ma bannière, en fait. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. En fait, vous voyez la bannière de chaîne. Pour ceux qui sont sur PC, je ne sais pas si sur les téléphones, vous pouvez le voir. Mais sur PC, vous avez ma bannière, comme toutes les chaînes YouTube, on a une bannière. Et tout en bas de la bannière, il y a plein de petits logos YouTube. Vous voyez, c'est le petit logo qui est en bas et tout de mon truc et tout. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Et en gros, vous voyez Twitter, PayPal, etc. Tous les petits logos. Et dès que vous cliquez sur un des logos, vous atterrissez sur la page adéquate. Sur Twitter, voilà, etc. Donc, si vous voulez rejoindre sur Discord, vous pouvez les bots parce que je suis aussi actif sur Discord. Je mets tous les jours mes vidéos que je publie, de tous les vidéos que je fais. Je publie également tous les nouveaux skins, les concepts de tous les skins qui sortiront peut-être prochainement. Il y aura peut-être un skin cornichon, pourquoi pas. J'avoue que ce sont des gens qui ont fait des petits trucs et peut-être qu'il y aura, on ne sait pas encore. On verra, il y a des skins qui sortiront peut-être ou pas. Ça dépend d'Epic Games, ce qu'ils auront décidé. Et du coup, bah voilà. C'est juste pour petite parenthèse, si vous voulez du coup rejoindre l'un de nos réseaux sociaux et tout, que je suis très actif dessus, donc voilà. Donc profitez-en. Sur ce, eh bien, à demain. Bon week-end à ceux qui sont peut-être déjà en week-end, ça se trouve. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà... Il y a une grève demain, apparemment, il y a beaucoup de grèves. Donc peut-être que vous êtes déjà en week-end, vous aussi. Et voilà, rushez bien. Dans une semaine, des nouveaux défis pour le skin cameo. J'ai très hâte parce que je m'ennuie un peu. J'ai pas de défis à faire. Allez, ciao les potes.